Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike qui aujourd'hui vous présenter une vidéo sur Call of Duty WW2 à propos du DLC 3 et plus précisément du chapitre 3, Sous la glace. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le tutoriel complet du chapitre 3 du réel secret de Sous la glace. Donc c'est parti. Alors ce que je vous conseille déjà, c'est tout simplement d'utiliser la classe Feu à volonté, voilà. Moi je le fais en solo, donc j'utilise cette classe. Je sais pas si c'est la meilleure classe pour les stratégies. Si j'en trouve des meilleures plus tard, je vous en parlerai plus tard. Là pour l'instant, je vous présente ça vite fait, juste pour vous présenter le tutoriel. Alors, moi j'utiliserai Feu à volonté avec tireur d'élite MK2 et spécialiste avec l'équipement mortel, le Samtex. Et bien sûr, important de prendre le SAP 9 mm, c'est l'arme la plus cheatée du jeu. Alors ensuite, vous allez prendre comme consommable des cœurs et des morts instantanées parce que, important, les morts instantanées, il y a une étape qui est assez compliquée. Donc, vaut mieux utiliser des morts instantanées pour faire cette étape. Donc, c'est parti. Alors, première chose, quand vous spawnez, vous allez ici et vous allez devoir taper 3 fois dans cette petite batterie. Bien 3 fois, voilà. Quand elle est cassée, vous pouvez plus la faire, voilà, vous frapper, ça ne fait plus rien. Ensuite, vous allez tout simplement commencer déjà le générateur pour allumer le pack à punch, hein, donc qui se trouve ici en phase 2. Rechargement rapide. Alors, quand vous avez chargé, vous gardez 2 zombies. Là, je vous parle d'une top stratégie. Si vous voulez réussir ce secret super facilement, vous faites ce que je vous dis. Alors, première chose, c'est que vous gardez 2 zombies qui marchent. Vous essayez qu'ils ne respawnent pas, comme ça, ils continueront tout le temps à marcher et tout le temps à être aussi lents. S'ils respawnent, ils vont commencer à courir. Alors, quand vous avez les 2 zombies là, vous allez aller tout simplement devant la porte et regardez, vous pouvez appuyer sur les touches. Alors pour initialiser des touches, il faut appuyer 7 fois sur la touche parce qu'il y a des codes à 7 touches. Donc là regardez, j'ai fait réinitialiser le truc, je pense qu'il va courir. Voilà, il va courir. De toute façon, c'est pas grave. Ah bah c'est bon, il y en a 2 lents, nickel. Prenez pas la bombe, ce serait pas une bonne idée. Donc la top astuce, tout simplement, je mets pause. Et là, je vous affiche à l'écran des codes. Donc c'est des codes que j'ai. À chaque fois que je trouvais un code, eh ben je prenais une capture d'écran et je me suis dit que j'allais noter tous les codes et effectivement j'ai bien fait de le faire parce que j'ai réussi à récolter plus ou moins 25 codes. Donc je sais que dans les images que je vous montre, parfois il y a des doublons, c'est parce que j'ai été trop vite, j'ai pas bien fait attention. Donc il y a entre 20 et 25 codes valides, hein. C'est pas des codes que j'ai inventés, c'est des codes à chaque fois que j'ai vu sur un mur. Donc c'est des codes fiables. Alors il m'a fallu déjà 1h30 facile pour faire le montage, donc j'espère que les presque une vous plaît. Donc voilà, enfin les images. Alors, quand vous allez taper tous les codes, il y en a au moins un qui va fonctionner. Donc, c'est obligé. Je suis obligé, ça marche à tous les coups. On le fait avec Audrey. Donc, à la manche 1, on arrive déjà à taper un code. Puis, dès qu'on peut taper un deuxième, on refait les mêmes trucs. Parce que il y a des emplacements de codes que je vais vous montrer, mais on les connaît peut-être pas tous. Donc, c'est pour ça qu'on a toutes les combinaisons au cas où on ne trouverait pas un code. Donc, voilà. Alors là, première chose, c'est que vous tapez le code numéro 1. Donc, par exemple, H, vague, M. Et puis après, je vais taper le N. Et là, je vais taper le X. Donc voilà, ça, c'est pas le bon code. Alors, avant de retaper un deuxième code, il faut bien sûr initialiser. Donc, vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez. Et hop, là, tout se fait réinitialiser. Et là, vous pouvez retaper votre deuxième code. Alors, petite information, si vous avez des codes en plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer comment, moi, je comprends l'alphabet qui est sur le mur. Donc après, chacun sa perception. Mais moi, je vais vous dire quel logo correspond à ma façon. Donc ça c'est un F à l'envers, ça c'est un N, ça c'est un D, ça c'est un F, ça c'est un R, ça c'est une flèche, ça c'est un X. Alors ensuite ça c'est un P, un H, un plus, un I, une double flèche, un S et un G. Donc je vais éloigner les zombies, je vais vous montrer la dernière colonne. Alors ensuite la dernière colonne, c'est un stérilet, une vague, un losange, un B, un M, un C et un M modifié. Donc voilà, si vous avez des autres codes, des nouveaux codes, essayez d'utiliser mes termes pour que je vous comprenne, ok? Donc là, je vais taper tous les codes jusqu'à temps que je tombe sur un bon code. Comme ça, ça validera la première étape à la manche 1. C'est très important de le faire, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, quand c'est fait, regardez,
ça valide l'étape. Il y a toutes les pièces qui tombent en rouge. Et là, il faut passer la manche. Donc quand vous allez passer la manche, regardez, il y a un truc qui va tomber, un colis. Et dans le colis, il va vous donner le manche de Barbarousse. Donc hop, voilà, voilà. Vous ouvrez le colis, vous prenez le manche de Barbarousse et là, vous allez l'insérer au milieu. Donc voilà, juste ici, vous insérez le manche. Après, il va y avoir un tremblement qui va faire tomber une caisse avec des fusées éclairantes. Donc regardez, la caisse est là-haut. Boum, elle tombe par terre. Et là, je vais tout simplement tuer des zombies pour vous montrer ce qu'il faut faire pour la deuxième étape. Donc voilà, j'ai laissé deux zombies. Donc c'est très important, si jamais vous avez des singes, ne prenez pas les fusées. Parce que sinon, ça va vous remplacer les fusées par les singes. Donc essayez d'avoir les singes après les fusées, comme ça c'est mieux. Mais si vous êtes plusieurs, ben, celui qui a les singes, il ne prend pas les fusées. Quand vous avez les fusées, vous appuyez sur R1 pour la déployer. Et vous devez les lancer, comme je le fais, dans les quatre petites statues. Enfin, dans les quatre petits trucs de feu, juste en dessous des gargouilles. Voilà, les statues gargouilles, enfin, je ne sais pas trop comment les appeler. Donc vous en avez deux par deux, vous pouvez en prendre en illimité. À chaque fois, vous allez à la caisse pour en récupérer. Et vous ouvrez, vous devez obligatoirement allumer les quatre ici. Quand vous avez allumé les quatre ici, vous avez un petit laps de temps avant que ça s'éteigne. Il faut absolument aller mettre une fusée éclairante dans la dernière, le dernier truc en feu, c'est ici. Alors moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'utiliser les planches qui sont juste au-dessus de moi pour essayer d'allumer ça. Donc là, j'ai réussi. Regardez, ça, ça s'ouvre. Vous récupérez la pièce. Voilà. Et maintenant, vous allez aller mettre la deuxième pièce à la porte au-dessus, ce qui va vous permettre de taper un nouveau code. Parce que regardez, là, je peux pas taper de code parce qu'il me manque une pièce. Donc regardez, je vais essayer de taper le code. Voilà, je ne peux pas le faire. Bon, maintenant, je viens de mettre la pièce, je vais pouvoir le faire. Regardez, voilà. Et là, maintenant, vous devez taper un autre code. Alors, tout d'abord, maintenant que je suis manche 2, je vais vous montrer tous les emplacements que je connais des codes qui sont affichés dans la map. Parce que voilà, moi, je les ai répertoriés, je les ai notés. Mais vous pouvez les trouver manuellement en cherchant. Donc si vous voulez chercher, tiens qu'à vous de le faire. Alors, vous devez activer votre mode trépas, c'est comme ça que je l'appelle, en appuyant sur carré sur le générateur. Après, il y a un emplacement de code ici. Il y a un emplacement de code ici. Un autre emplacement, je crois que j'en connais 11, ici. Bah voilà, là, il y a déjà un emplacement. Donc c'est peut-être le deuxième code ou le premier code, je sais pas. Mais voilà, de toute façon, je vais vous montrer tous les emplacements d'abord. Donc le quatrième emplacement, ce sera ici. Le cinquième emplacement, ce sera ici. Le sixième emplacement, c'est juste ici. Le septième emplacement, c'est ici, au-dessus du spot. Voilà. Le huitième emplacement, c'est derrière la tout cerise, juste là. Alors, le neuvième emplacement, il se trouve près du spoon. Donc au-dessus de la MG, juste ici. Voilà. Je crois que je suis au dixième emplacement. Dixième emplacement, ça se trouve ici. Et le onzième emplacement... le onzième emplacement, il se trouve ici. Donc je ne connais que 11 emplacements pour le moment. Donc il se trouvera ici. 11 emplacements pour le moment. Si vous en connaissez plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fera extrêmement plaisir d'en savoir plus. Voilà. Donc maintenant, je vais tout simplement aller chercher un deuxième code. Taper le deuxième code pour continuer l'étape. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé le bon code. Alors maintenant, je vais juste vous présenter un truc parce que faut que je vous le dise, c'est très important pour les futures stratégies qu'il y aura à venir. Donc j'ai cassé la machine à la manche 1, ok. Donc si je la casserais maintenant à la manche 2, eh ben je pourrais pas l'activer à la manche 2. Quand je l'active à la manche 1, je peux pas activer le mode trépas à la manche 1. C'est simple. Si vous activez la batterie à la manche 1, vous pouvez activer le mode trépas à la manche 2, 4, 6, 8. Si vous activez si vous cassez la machine, donc la batterie à la manche 2, vous pourrez activer votre trépas à la manche 3, 5, 7 et 9. Voilà, c'est juste ça qui change. C'est une manche sur deux, vous pouvez activer votre trépas pour chercher les chiffres. Les lettres. Enfin, le code. Donc voilà, c'était très important, il fallait que je vous le dise pour les futures stratégies. Si vous avez une idée de stratégie, ben voilà, vous allez pouvoir la mettre en place grâce à cette petite information. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Donc je préfère vous le dire. Alors, quand vous avez trouvé le deuxième code, vous passez la manche et là, ils vont vous donner le pommeau de Barbarousse que vous allez ramasser et que vous allez placer au middle. Donc voilà, vous placez ici le pommeau et maintenant, bah, vous faites votre manche défi, hein, bien sûr. Là, quand vous avez placé le pommeau, ici, il y a des pierres de sacrifice. Vous voyez, bah, celle-là, elle est enfoncée parce que je suis en solo. Mais il y a une des quatre pierres qui n'est pas enfoncée parce que je suis en solo. Donc, il y en a trois qui sont enfoncées et il y en a une, il faudra que je reste dessus. Si vous êtes quatre,
Les 4 seront relevés. Les 4 pierres, donc il y en a un que je vous ai montré à droite, un en haut, un à gauche et un en bas. Donc là, je vais tout simplement les niquer avant que eux me niquent. Donc voilà, moi je dois aller sur celle de tout en bas. Pour réussir cette étape, faut rester sur la pierre et ne pas bouger jusqu'à temps d'entendre une petite musique. Et en fait, la musique, enfin, une petite truc que genre vous avez réussi. Et là, en fait, dans la gueule, il y a la troisième pierre qu'il faudra débloquer. Et en fait, ça va faire couler le sang. Donc, on doit tuer des zombies sur la pierre pendant, je sais pas combien de zombies exactement, mais il faut en tuer. Donc après, il faut pas spécialement en tuer qui soient tout près de vous. Hein. Vous pouvez les tuer à distance, je pense que c'est pas un problème. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre une tête de mort. Donc c'est pour ça que je me suis équipé des têtes de mort. Et pourquoi je vous conseille de faire le premier code à la manche 1, c'est tout simplement pour commencer cette étape à la manche 4 et pas à la manche 5. Pourquoi à la manche 5? Parce qu'à la manche 5, il y a plein de boosting. Et franchement, c'est beaucoup plus difficile. Donc là, regardez, je vais tout simplement activer une tête de mort. Je vais me mettre sur l'endroit et je vais tuer tout plein de zombies jusqu'à temps que j'entends un petit truc d'activation. Donc même si vous mourrez, vous restez sur la plaque. Hein. Ne bougez surtout pas de la plaque. Voilà, là j'ai réussi, j'ai entendu le petit truc d'activation, regardez, le sang coule, la pierre est ici, donc vous récupérez la pierre et puis vous allez la mettre en haut, donc sur la porte. Alors pour l'étape précédente, moi j'ai fait un peu le con parce que j'ai pas réfléchi, mais faites des boîtes pour justement débloquer les singes, les diables en boîte pour justement avoir plus facile avec cette étape, parce que franchement vous avez vu, même si j'étais mort instantané, j'avais pas rechargement rapide. Équipez-vous un maximum. Équipez-vous un maximum. Rechargement rapide, double coup. Bon, double coup, c'est pas. Enfin, prenez-le quand même. Mais prenez surtout des singes parce que ça, ce sera d'une grande, grande, grande efficacité. Et très important, les Wussling, tant que vous n'avez pas tué tous les Wussling, la manche ne passe pas. Donc gardez un Wussling. Au mieux de garder un zombie, hein, parce que comme ça vous serez moins embêté. Voilà, là j'ai débloqué les singes. Donc maintenant je vais m'équiper de tous les atouts parce que j'ai plus de quick revive, donc ça va être compliqué. En fait j'avais encore un quick revive, donc c'est parfait. Donc maintenant je vais mettre la pierre, la troisième pierre, et je vais quand même aller chercher dans les emplacements que je connais, voir si je connais pas le code, donc les emplacements que je vous ai montrés. Comme ça, ben je serai pas obligé de faire les 25 codes aléatoirement, quoi. Bah en fait, je peux pas le faire maintenant, donc je vais passer la manche et je le ferai après. Donc un truc qui est logique, c'est qu'il faut faire la quête principale parce que sinon bah vous aurez défaite. Donc j'ai déjà fait un tuto sur les quêtes principales, si jamais vous voulez, elles sont en description, enfin je les mettrai en description, elles sont sur ma chaîne YouTube pour ceux qui veulent savoir, pour ceux qui ne connaissent pas la quête principale. Donc là bah, c'est tout simplement de tuer le vise, hein. Je vais tuer les 3 vises qui seront là. N'hésitez pas à péter les bombes qui sont par terre parce que sinon elles vont vous gêner et elles risquent de vous tuer. Donc voilà, j'ai dû aller jusqu'à la vague 8 parce que la vague 6, ben j'avais un défi à faire. Donc j'ai dû aller jusqu'à la vague 8 pour pouvoir me remettre en trépas et chercher après le code. Donc voilà, le code il est là. Donc c'est M vague F double flèche. Donc je vais aller noter ça pour débloquer ben la lame de Barbaros. Alors, je tiens à faire une grosse dédicace à Johnny34, Audrey Marley et Trash Dead Zombie qui m'ont aidé à réaliser ce secret et m'ont aidé à trouver des petites astuces, plus des codes, etc. pour que je vous fasse le tuto. Donc, grosse dédicace à eux, je mettrai leur chaîne en description. Merci à tous ceux qui iront s'abonner à leur chaîne. Merci pour le soutien. Alors là, j'ai plus qu'à taper des doubles flèches. Voilà, là, j'ai tapé le bon code. Et maintenant, je pense que je dois passer la vague pour récupérer la dernière pièce. Donc voilà, là, le colis va tomber au-dessus, voilà, comme d'habitude. Donc là, je vais chercher. Et là, normalement, il va me donner la lame de Barbaros et je vais pouvoir aller assembler toutes les pièces au middle. Donc, on va voir. Hein. Je pense que c'est la lame, mais je ne suis plus sûr, en fait. Oui, c'est ça. Lame de Barbaros. Voilà, nickel. Donc maintenant, on descend et on va tout simplement assembler, empêcher les geckos d'éliminer les vents vivants. Okay. Donc, hop, on assemble la lame ici. Et là, vous appuyez sur carré pour assembler tout simplement l'épée de Barbaros. Alors là, j'ai eu chaud quand même. En plus, j'ai perdu mon quick revive. Donc voilà, enfin bref. Donc là, vous pouvez récupérer la lame de Barbaros en appuyant sur carré. Et là, vous avez terminé votre secret. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est absolument finir le boss. Donc tuer le boss. Et puis après, vous évader de la map. Voilà, tout simplement pour bien valider et gagner votre camouflage secret. Donc pour le boss, vous l'attaquez directement. Voilà, comme ça. Vous lancez des singes pour pas être distrait par les zombies. Vous ne le laissez surtout pas au milieu, hein. Parce que sinon il va se reprendre de la vie super rapidement. Alors quand il reprend de la vie, il faut tout simplement tirer sur les statues qui sont en l'air.
Donc là, vous voyez, là il est tombé. Là, il va faire demi-tour, il va aller chercher de la vie. Donc pendant qu'il fait demi-tour, vous le bombardez. Et là, vous détruisez tout simplement les trucs qui lui donnent de la vie. Après, il tombe et là, ça lui fait un double hit. Donc soit vous utilisez votre spécialiste maintenant, ou soit vous l'utilisez après, mais voilà, faites en sorte de bien gérer les bails. Donc comme d'hab, vous le faites sortir du middle parce que sinon, il reprend sa vie trop facilement. Il a plusieurs attaques. Donc là, il est retombé. Donc là, tout simplement, je vais tirer sur les trucs pour pas qu'il reprenne sa vie. Voilà. Et là, je vais mettre mon cœur. Et là, je vais le défoncer pendant qu'il est par terre. Parce que là, j'ai un double hit. Plus mon cœur en illimité. Il y a peut-être moyen que je le finisse sur ce coup-là. Voilà, c'est bon. Je l'ai fini. Parfait. Donc là, j'ai récupéré la pièce. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à rester. À tourner avec les zombies si vous voulez. Mais vous n'avez plus qu'à sortir de la map en vous mettant ici. Donc, il va y avoir un compte à rebours. Donc, je vais attendre que le compte à rebours arrive. Donc, voilà. Le temps restant avant de fuir, 1 minute. Donc, il faut vraiment qu'à 1 minute pile, vous soyez là. Si vous êtes en retard de 1 seconde, c'est défaite, les mecs. Donc, faites très attention. Allez-y. À 10 secondes avant, soyez déjà à la zone d'évacuation. Sinon, vous risquez de rater votre secret. Après, je sais pas si c'est obligatoire de finir le secret. De toute façon, on va devoir le refaire tous en one shot. Donc, tous les 3 secrets des 3 chapitres en one shot pour débloquer la cinématique finale et sûrement débloquer le réel secret. Donc voilà, donc je sais pas s'il faut vraiment fuir, mais je vous conseille d'essayer de fuir et de finir le secret comme ça. Vous avez réussi l'entièreté du secret plus la quête principale et tout est à votre honneur, quoi, tout simplement. Donc là, il reste 3 secondes. Attention. Voilà, je suis bien dessus. Et là, il va me mettre victoire normalement. Voilà, victoire. Donc là, vous avez fini, vous avez réussi le secret. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce tuto vous aura plu. Il est peut-être un peu long, mais j'ai voulu bien vous expliquer tout ce que je connaissais, toutes les étapes, vous le montrer en live. Et en plus, comme je m'enregistre en live, j'ai la pression de file en live. Donc voilà, désolé si parfois j'ai un peu bégayé. Mais voilà, c'est un tuto fait à chaud et j'espère qu'il vous plaira quand même. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao! Peace!